Non, non, c'est pas aujourd'hui que je tournerai le dos. Après toi. Oh, super. Et maintenant, tu vas me pointer un pistolet sur la nuque en parlant des lapins. Hé, hey, faites pas de bêtises. Ouais, allez, on y est presque. Les enfants, on se calme. Et bienvenue allez, pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sly Drake pour l'épisode 6 de Uncharted 3, l'illusion de Drake, remasterisé évidemment. On s'était arrêté après avoir fait un mini combat avec Cutter qui a été drogué par Talbot. Et on a enfin trouvé peut-être l'accès au tombeau pour trouver l'autre partie de l'amulette. Et là on est devant un gros globe. C'est un globe ? On dirait que ce truc peut tourner, non ? C'est plus qu'une simple crypte. Ouais, c'est toute la pièce qui ressemble à un très vieux puzzle. Ben un peu comme ce qu'il y avait en France, hein. Tu l'as donné à Talbot, tu t'en souviens ? Quoi ? Sûrement pas. Ouais, et ton flingue aussi ? Oh, bordel ! Comme quoi, comme je disais la dernière fois, la drogue c'est mal, bon, voyez. On doit trouver comment le faire tourner. Regardez ces rigoles ! J'ai l'impression que c'est fait pour de l'eau. Oui, effectivement, c'est pour de l'eau. Faut pas sans de cuit pour pouvoir réfléchir à ça. Si je me trompe pas. Il y a un trésor vers ici, au-dessus de sur le plafond, mais il faut l'eau pour l'activer. Donc ça, on verra ça plus tard, si je me trompe pas. Ah, on va allumer le feu ici. Hop, voilà. Ça, moi, quelque chose. Alors, pour cette énigme, si je me souviens bien, normalement, on doit avoir un accès où il y a des escaliers. Ah ben voilà, ça, il l'a trouvé. C'est ce que j'allais dire, voilà, l'escalier qui est juste là. Il faut aller là-haut. Et normalement... Les statues qui est au-dessus, on peut les allumer. Voilà. Et je parie qu'on peut allumer ça. On dirait une sorte de projection. Elle montre des positions sur le globe. Voilà. On allume les autres. Oui, oui, chef, t'inquiète pas. Eh, sans déconner, et je vous jure, j'habite pas à côté d'un centre de moto, mais le nombre de motos qui passent à côté, j'ai l'impression qu'elles se croient dans Gran Turismo ou Forza Horizon. Je vous jure que c'est vrai. Oh, le nombre de motos. Une dernière. Et go. Après, si vous avez la flemme, Cutter peut les allumer à votre place. Mais bon, voilà. C'est pour le côté un tout petit peu réaliste. La dernière. Incroyable. Mais les rayons s'alignent avec rien du tout. On cherche encore. Et comme a dit Nate tout à l'heure. Oula. Ouais. Ah oui. Et comme a dit Nate tout à l'heure. Non, c'est, on peut pas. Je cherche encore et du coup, il faut aller ici. Du coup. C'est de l'eau ? Je suis pas sûr. Le roteau araignées. Oh non. Pitié, je t'en supplie, dis-moi que tu les vois aussi. Ah ouais, je les vois. En tout cas, les laisse pas te toucher. Ah ouais ? Reste près de la torche. Qu'est-ce que tu fais ? Je devrais réussir à atteindre l'autre côté si je prends de l'élan. Tu quoi ? Je t'aiderai à traverser quand j'y serai. Tu veux traverser ? T'es malade ? Il faut qu'on fasse s'écouler l'eau. T'as une meilleure idée ? Ok. Si tu lances alors. La torche là en bas, tu devrais pouvoir allumer ce brasero. Tendu que normalement. C'est comme une grenade, ok. Tu l'as eu. J'ai réussi. Hop là. Ouvre-en une autre et réessaye. Allez hop. On dirait qu'il y a un autre brasero là-haut. Tu penses pouvoir lancer la torche là-haut pour allumer ça ? Oh, t'inquiète, sinon on avance pas dans le jeu sinon. Hop. Joli lancer. Alors, si je me trompe pas, il faut que j'aille en face. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, on tourne vers le côté. Let's go. Ouais, je sais. J'ai des araignées. À part Spider-Man, mais bon. Après, je suis pas arachnophobe, mais bon. Je sais que dans la vidéo, il y en a certains qui le sont. Moi, sur ma... Ma grosse peur plutôt c'est les sapins, mais je pense que si j'arrive un peu à la traiter, je pense que je pourrais à réussir à faire avec. Hop là. Et mon cutter il arrive de ce côté là, voilà. Alors normalement il est censé mourir là, vous faites ça vous mourrez, hein, je vous le dis, hein, donc voilà. Mais on va rien dire. Alors où est-ce que je dois aller encore? Là-bas. Bien joué. En un seul sens ça devrait le faire. Hop là. Et voilà. Et voici l'eau.
prends l'autre manivelle. On va l'ouvrir. Dépêche-toi, feignasse. Allez, on essaie. Et voilà. Ouais, et du coup, si je me trompe pas, le trésor est juste là. Vous tirez et directement vous sautez dans l'eau pour pouvoir. Pour pouvoir. Choper le trésor à temps. Alors sinon, il est au-dessus là, mais je crois qu'il est juste en face là. Sachant que vous verrez, la différence c'est que dans le 3, enfin dans le 3, dans 1, 2, 3, on ne peut pas plonger ni utiliser les armes dans l'eau. Attendez, on va ça de suite. Ah si, j'ai rien dit. Par contre, on ne peut pas plonger, on peut juste, voilà, juste aller sous l'eau comme ça. Alors que dans le 4, on pourra vraiment plonger sous l'eau. Ouais, petite différence, je sais, ouais. Qui valait un peu le détour, je sais, mais bon. Ok, plus qu'une. Et let's go, qu'on tombe ce globe là et qu'on puisse trouver la crypte. Allez. Ça marche. Et voilà. Ça y est, il tourne. On va pouvoir faire tourner le globe maintenant. Allez, c'est pour tu. On dirait que ces projections lumineuses peuvent s'aligner avec les terres. Allez, tu le tourner. Évidemment, c'est pas vous qui allez le faire, hein. Alors, joystick gauche, vous le tournez dans le sens que vous voulez, donc de haut en bas ou de droite à gauche. Et joystick droit, vous le tournez pour qu'il puisse s'aligner, grosso modo, si vous voulez. Alors, normalement... Ah, il y a un bout de terre juste ici. On va le faire tourner. Non. On va tourner de ce sens-là. Alors, du coup, hop, on fait le tourner. Dans ce sens pour pouvoir s'aligner. Et voilà. Hop, on y est. Tac. Et voilà, on y est. Voilà. N'empêche, je me demande combien ils ont dû dépenser, ou je sais pas comment ils ont fait à l'époque pour construire tous ces genres de choses, sans déconner. Parce qu'il faut le faire, sans déconner, hein, à l'époque. Hein. Après, tu vas me dire, à l'époque où c'est vrai, ils ont réussi à faire des pyramides, tu vas me dire. Donc, tout est relatif. Allez. Encore des escaliers colimaçons, il n'y a que de ça à chaque fois. Mais bon. Oh, ils sont hauts un peu, non? Ah, ça y en est arrivé, je crois. Ouais, on est arrivé. Hop là. On cherche une tente de chevalier, comme celle trouvée en France. Si j'ai vu juste, il est enterré avec l'autre moitié de l'amulette. C'est ça? Ouais, le même que celui en France. C'est fou. Ouais, génial. Y a plus qu'à l'ouvrir. Et le voilà. Qu'est-ce que je disais? Fais voir l'autre moitié. Oui, à ce propos, c'est Talbot qui l'a. Quoi? Ouais, je t'ai dit qu'il nous avait piégés au château. C'est là qu'il l'a prise. Pourquoi on s'est fait chier à venir? Attends un peu. Fais-moi confiance. Là. Là, tu vois? Et avec l'inscription complète. On sait exactement où aller au Yémen. Me remerciez pas. Bon travail. Ouais, mais quand même. Je vais garder celui-là avec moi. Bon, maintenant on se tire. Continuez. Vous aviez quelque merde part. Ils ont dû nous suivre. Bah j'espère qu'il y a un autre moyen de sortir. Bah je l'espère aussi, hein, parce qu'on est mal barré sinon. Oh, il y a un courant d'air là. Je sais pas si vous le voyez, mais regardez les petites lumières là derrière, regardez. Juste là. Il y en a qu'à aller ici. Et même ce qui était bien fait à l'époque, regardez, voilà, on voit le courant d'air et la flamme réagit par rapport au courant d'air. Et ça, franchement, pour l'époque, hein, je parle bien évidemment de l'époque, en 2011, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ça paraît peut-être rien pour vous, hein, qui joue au jeu aujourd'hui et tout, avec tout ce qu'on a, c'est vrai. Mais je vous dis, c'est que j'ai déjà une grosse avancée. Hé, venez. Ouais,
Ouais, je sens de l'air. Faites que ce mur donne dehors. Il bouge un peu. Charlie, aide-moi. Ouais. Alors mon gars, juste pousse-toi les une gars, seconde. On est pressé. C'est juste pour toi. Hein. Ah, dommage. Merci beaucoup, je vais prendre ça. J'allais faire le vieux, mais je vais pas le faire. Pour ceux qui ont regardé Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le film, c'est pareil. Écartez-vous derrière, on sort. Lâchez vos armes. Ouais, dans tes rêves. Très bien. Quel dilemme. On est 4 contre 4. Jusqu'à ce que le reste de mes hommes arrive. On a le temps. Oh non. Les gars. Charlie. Oh non, c'est pas vrai. Voilà qui change un peu les choses, n'est-ce pas? Maintenant, lâchez vos armes. Et si t'allais te faire... Peter, tue-le. Non. Hé, hey, juste une seconde. Ok? Voilà qui est mieux, non? Tue-le. Espèce d'enfoiré. Cutter, descends-le. Avec plaisir. One shot, motherfucker. Allez, jusqu'à la tour. Bien vu, mon ref, mais t'aurais pu faire un slick, quand même. Oh la vache. On se détend. Wow, wow, wow. Wow, c'est un total. Oh, putain. Oh la vache. Pourquoi t'as lâché tes flingues? T'aurais pu nous faire un clin d'œil, au moins. De ouf. Évidemment, faut que je passe partout, faut que je casse tout. Oh merde. Allez, Cutter, c'est trop haut. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Charlie! C'est quoi ce bordel? C'est une Mercy qui la revive. Je reconnais. Donne-moi ça. Va chier. Le mec a trop joué à Overwatch. Non, on peut rien faire, Drake. C'est vraiment insupportable. Oh, y'a la maîtresse à deux jeux qui arrive. Oh, Cutter. J'avais tellement misé sur toi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu avais du potentiel. Et là... Enfin... C'est drôle comme les choses ont tourné, n'est-ce pas? Tu as trahi ma confiance. Et maintenant, voilà où nous en sommes. On dirait presque que tout était écrit d'avance. Fais pas ça. Ah ben si, là il faut sauter mon gars. Ah là il faut. Ah si si si. Non. Allez, par là. Charlie. Bouge pas, bouge pas! Oh, ma jambe! La touche pas! Elle est cassée! Merci, j'avais remarqué. Calme-toi, mon vieux. Ça va aller. Nate, regarde ça. Oh, c'est pas possible. Une carte de tarot, génial. Par là! Bon, on peut pas rester là. Laissez-moi le flingue. Je vais les buter, ces ordures. Ah ça non, on sort de là. Allez, debout! Oh, je l'ai! Couvre-nous! Ok, alors là, je sens que je vais en chier, mais bon, c'est pas grave. Comment c'est possible? Et his name is John Cena! Wow, allez hop. Ok. Ok, et de 1. On avance, on avance, on avance, on avance. Merci pour les balles. Ok, merci. Hop. Oh merde. Autant pour moi, je suis allé un peu trop vite. Oh le... Oh, pas mal ça. J'aime le spawn. Oh non, pas eux. Cadeau. Oh la vache. Bah, tout compte fait dans la mort, j'ai trouvé un truc qui m'arrange. Ok. La vache. Oh non, il y a un deuxième.
Mais t'arrives pas. On va essayer de faire un truc pas mal. Lâche ça, merci. Alors, au moment, il y a un moyen de pouvoir les gruger au corps à corps, mais je sais pas tenter de diable. Waouh! Voilà, et c'est là qu'ils sont comme ça, qu'on appuie sur le carré, et pam! Voilà. Merci pour les grenades. Mais c'est une blague! C'est une grosse blague, je demande de rouler et il fait du n'importe quoi. Hop! Lâche ça. Vas-y, envoie ta grenade. Merci, mon ref. Cadeau! Allez, go! Ok. Oh! Plus rapide que prévu. Il est mort. Oh putain! J'ai oublié de guider la nuit! Non! Merde! J'ai oublié qu'il y avait monsieur mastodonte. Le problème, c'est que je suis obligé d'avancer pour pouvoir l'activer en fait. Ok. Alors excuse-moi, je vais t'en faire le conduit qui te sert de l'anus. Voilà. Ok. Alors. Vas-y, ramène-toi. Ok. Mais ça arrête pas le con. Ah merci Chloé. Oh putain. Bon, heureusement que nos PNJ sont... Oh, bien vu, ça. Ils sont derrière nous. Et heureusement que nos alliés sont invincibles, hein. Parce que, putain, je pense qu'ils seraient morts depuis longtemps. Faut ouvrir la porte. 30 secondes, ma grande. Je récupère juste des balles. Prendre le bouclier, ça s'avérera à rien, les mecs, hein, je vous dis de suite. Hein. Allez, go. Un peu de nerf. Pardon, Charlie. Attention, il y en a d'autres. Ouais, je sais. Hop. J'adore cette musique. Tronc. Bien vu ça. On va s'amuser un peu. Qu'ils viennent. Charge. Ok. Ok. Wow, tiens pas de balle. Ok, suivant. Ah, wesh, mais c'est un truc de dingue les dégâts que je prends. Wow, oh le spawn, oh purée. Oh, oh, oh. On va se calmer. Aïe. Ok, fini de jouer. Recharge, recharge, recharge. Ok, c'est bon. Il est où? Mort? Non. Eh, franchement, le jeu, tu m'as vachement aidé au niveau des... Allez, au niveau du checkpoint. Là, pour le coup, là, j'ai rien à dire. Encore un peu plus. Ah, sale enfoiré, mes deux putain de jambes. Ah, vas-y, mollo. Ouais, franchement, là, le jeu m'a gravé des niveaux des checkpoints. Là, vraiment, je peux me perdre. Ok, le bus. On prend le bus. Très bien. On est sûr de passer inaperçu? Non, à peine. Bonjour. Salam alaikum. C'est une vraie arnaque ce truc, hein. Voilà.
Quoi, c'est pas raciste, je parle de la langue qu'il faut dans le pays, oh. C'est bon. Je m'en charge. Occupe-toi de lui. Ah. Ils arrivent. Sully, sors-nous de là. On les a semés. Bien. Je vais voir si je peux cacher le bus. Ouais. Tu vas bien ? On ne peut mieux, merci. Oh, c'était limite. Ça va aller. Non, je parle en général. Ça en vaut pas la peine. Laisse tomber. Non, 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 non. Abandonne pas. Si ces enfoirés gagnent, après ça, je te le pardonnerai jamais. T'inquiète, Charlie. Ils s'en tireront pas comme ça. C'est de la folie. Qu'est-ce que tu veux prouver ? Je veux rien prouver du tout. Ouais. Alors, c'est quoi le plan ? Ben, aller au Yémen. Ça te tente ? Carrément. Faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Sans encombre. Je pense savoir qui appeler. Qui ? Oh non. Non, 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 non. Si t'as une meilleure idée, je t'écoute. Et si... Non, non. Bon. Vas-y, appelle. Elena Fischer, correspondante à l'étranger. Bonjour, Sully. Comment ça va, ma belle ? Oh, non, désolée, c'est pas très bien vu ici. Ah, d'accord. Mais vous pouvez vous prendre la main. Non. Comment ça va ? Bien, merci. T'as bonne mine ? Bon, bah même si je pense que c'est une erreur, vous franchirez les points de contrôle avec ces laissez-passer. Ok, merci. Oh, et vous cachez rien dans vos sacs, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Non. Ouais, mais ça va pas durer. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes journaliste maintenant. Essayez d'avoir l'air respectable. Tu vas y arriver ? Je crois qu'elle te parle. Alors, qu'est-ce qui amène deux crapules comme vous au Yémen ? Juste quelques recherches historiques. Ouais, ça doit être ça qui explique l'urgence. Exactement. Pas de trésor maudit ? Non. Pas de chef militaire fou ? Non. Tu sais vraiment pas mentir. Quoi ? Oui, c'est vrai. On va pas déjà se discuter. Pardon, la voiture, elle est où ? Oh, elle est là-bas. Allez, donne les sacs, j'y vais. Nate. Tu la portes encore ? Oui, mm-hmm. En effet. Ça aide dans cette partie du monde. Ah, vraiment ? Je suis sérieuse. Te fais pas de film. Et toi, tu portes toujours la tienne ? Quoi ? Oh, oui. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Tu comprends pas. Je viens enfin de le prouver. Drake n'a jamais fait route vers les Indes. Il y a 400 ans, il est venu ici. Pourquoi, Nate ? C'est ce qu'on veut découvrir. Non, je veux dire, pourquoi cette obsession ? Je m'inquiète. Je me débrouille très bien tout seul, ok ? Je suis pas en train de parler de toi. Qui ? Sully ? Il te suivrait au diable Vauvert s'il le fallait. Mais va pas lui demander. Arrête, c'est pas juste. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? C'est bon ? Dépose-nous à l'entrée de la ville, ça sera parfait. Il y a aucune chance. Vous êtes sous ma responsabilité. Et je vais pas vous quitter des yeux. Ah, je vous jure, les fans, nom de Dieu, elles sont toujours horribles. Quand elles ont le pouvoir, évidemment. C'est une blague. Ne commencez pas à traiter de misogyne. C'est une blague, évidemment. Je rigole. Mais bon. Ok. Donc, voici où il y a mes recherches historiques. Alors, tout d'abord, quand vous apparaissez ici, il y a un trésor ici, si je ne me trompe pas. Dans un des coins, normalement. Et puis, voilà. Allez, on est parti. On continue.
Ah, il y a des mouches. Si vous voulez suivre la piste de Francis Drake, il faut aller dans le vieux quartier. Ça, le nouveau quartier ? Oh, tout est relatif. La ville a été fondée il y a au moins 3000 ans de ça. D'accord, passe devant. Léger passif, hein. Je sais bon, pas ce qui se passe entre vous voyez cette Lena et Nate, mais bon. Voilà où commence la vieille ville. Il faudrait qu'on aille jusque là-bas. Ok. Salam. Ok, par là. Excuse-moi le vieux, je passe en premier. Bon, non. Vous allez devoir vous tenir à carreau. Hein? Madame. Non, je suis sérieuse. La police patrouille absolument partout et vaudrait mieux éviter d'éveiller les soupçons. T'as compris. Ah. On va traverser le marché. Ensuite, second trésor, si je me trompe pas du chapitre, il y en a un juste dans la fontaine, juste là, à droite. Oh waouh. Ok, visiblement ils ont bloqué la rue. Je vais voir ce que je peux faire. Vous deux, vous restez là. Samahouni. Elle l'a encore sur elle. Elle ne se tire pas de coup. Apparemment, ça peut être utile dans ce coin du monde. Ça veut dire quoi ? On sait rien. Alors ? Bon, ça le fait pas. Il laisse passer personne. Hé, hey, venez par là. Il y a un autre passage. Bah bien sûr, c'était logique. En fait, ça veut dire quoi ? Je pense que ça veut dire en fait qu'il y a des gens qui ont peut-être des hommes qui lui tendent autour peut-être. Et dès qu'ils montent la bague, ça fait allez gars, allez, stop. Même si je sais que ça se trompera pas des hommes qui que ça, mais voilà, on va dire que certains qui ont du respect s'arrêtent tout de suite quoi. Mais bon. Merde, c'est fermé. Bah, tu m'étonnes que Nate il se pose un peu des questions, mais bon. Après en même temps frérot, t'abuses un peu aussi hein. Parce que je sais pas s'ils avaient compris, Lena et Nate sont mariés, évidemment. Merci. On a de la chance de t'avoir. Ouais, sans blague. Okay. Oh, très sérieux. Et pour le coup là, en voyant ce passage là, ça fait penser à quelque chose par rapport au 4. Et j'expliquerai ça peut-être à la fin du jeu, si je m'en rappelle. Mais en tout cas... Ça m'a fait genre de flash, mais bon. Super, des flics. Ouais, c'est pas non plus par là qu'on va passer. Va falloir trouver un autre passage. Mais j'ai trouvé un autre passage, l'escalier. L'escalier, pff, l'échelle, connard. Hey, là-haut, il doit y avoir un autre passage. Hop. Allez, suis-moi. Normal, on grimpe sur des toits en toute légalité. Ça va, vous deux ? Ouais, j'arrive. Stylé avec les pétales qui tombent. Trost Lai. Je rappelle que ce jeu est sorti en 2011. Je le rappelle. Au cas où. Il me semble qu'il y a un trésor ici. Là, sur la table ou en dessous de la table. Je crois pas qu'on ait le droit d'être là. Allez, on fait que passer. Ça va le faire. Évite de casser un truc. C'est tout. Il n'y a rien. Pousse-toi, madame. Pom, 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 pom. Ouais, et voilà. Et bien voilà notre compte le plus haut. Bon, plus qu'à faire un saut de la foi. Et voilà. Oh, que c'est beau. On va faire chaud, n'empêche. Hein. Tu vois, en bas. Ces bâtiments avaient des milliers d'années, même quand Francis Drake était en vie. Exact. Y'a vu. Oh, j'ai revois un gros minet. Nate. Hein ? T'as le beau. Qui ? Il a le carnet de Cutter. Quoi ? Attends, Charlie Cutter ? Oui, pas le temps. Sully va t'expliquer. Attends un peu. On se voit en bas. C'est parti.
Ça me tue parce qu'il fait aucun bruit, tu sais. Yep. Il fait vraiment genre zéro bruit, il n'y a pas de bruit des murs ou tout que ce soit, etc. T'as Louis, il dit pas, il y a plein de trucs au-dessus qui se baladent. Mais bon, c'est pas grave. Évidemment, la porte est ouverte, sinon c'est pas drôle. Hop là. Je pense en fait c'est une de mes phases préférées là en vrai. Et la musique, pff, rien à dire. Vous pouviez pas lâcher l'affaire. Oh mon nom, jamais. Tout n'est pas perdu. Trop fort l'artiste. Hey les gars, c'est parti! Salut les gars! Baston! Tu me lâches! Coup de boule! Oh allez! Waouh! Aïe! Pas mérité celle-là! Pousse-toi de là, toi! Tiens, un vase! Tiens, je sais pas si t'avais soif, tiens, cadeau! Oh allez! Tu me lâches. Allez, mange le rebord. Aïe. Eh. Allez, mange ça. Aïe. Viens, 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 viens. J'ai esquivé. Parce qu'en fait, je voulais faire une attraction assez drôle. Monsieur Robin Lourd. Allez, esquive. Bong. Aïe. Wow. Mange ça, mange ça, mange ça, mange ça. Esquivez. Wallet. Mange. Là où ça fait mal. Et reste à terre. Merci beaucoup. Finir le spectacle ou... Y'a ma rande, allez venez Miran, venez, venez, on va s'amuser. Nate ? Ouais, c'est moi. Ok. Non mais je veux le choper lui. Ok. Wow. Ah, il veut pas faire ce que je veux. Oh, il veut pas faire ce que je veux, ça m'énerve. Viens, 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 viens. Olé. Allez, vas-y. Ah, il veut pas le choper. En fait, ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux qu'il... Mais pousse-le. Oh, putain. Pousse-le. Voilà, nickel. Oh, il veut pas le faire, ça m'énerve. En gros, je veux qu'il chope le poisson et qu'il lui mette un coup de poisson. Bon, c'est pas grave. Okay. Par là, vite. Par ici. Juste ici, vous avez un trésor ici. Hop là. Vite. J'arrive. On fiche le camp d'ici. Sully, tu me gênes. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? C'est qui ces types? Et qu'est-ce que Charlie vient faire dans tout ça? Il travaillait avec nous sur ce coup. Travaillait? Il est pas mort? Non, lui et Chloé. Quoi? Chloé aussi? Ouais, mais ils ont dit stop quand Cutter s'est cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe? Il aurait pu se casser le cou avec une chute pareille. Et il va bien. L'essentiel, il va bien. Moi aussi, j'aurais sauté. Tu t'enfonces. Bon, dites-moi juste ce que vous êtes vraiment venu chercher. Bah, ça. Bah... Ça ? Approche. Sully, viens voir. On les a semés. Dis-moi tout. Eh bien, je crois qu'on a trouvé notre entrée secrète. Merci pour le coup de main. Hein, moi, je descends pas sans être équipé. Va voir le marchand de tapis qu'on vient de croiser. Ah non, je pensais à des armes. Il est pas vraiment marchand de tapis. Oh, j'y vais.
Hé, vieux, fais attention à toi, hein. Ouais. Sérieusement, c'est quoi, Nate, c'est quoi tu m'as menti sujet de Sully. Ces types font pas des recherches historiques, et toi non plus. Ça a à voir avec cette Marlowe, hein. Oui, mais... regarde un peu ça. Je l'ai enfin trouvé. Et c'est ce que je disais. Ça menait à ça. Et ça, à ici. Un trou dans le sol. Oui, bon, il n'y a plus glamour. Allez, admets-le. T'aimes l'aventure au moins autant que moi. Non. Non, plus maintenant. Vraiment? Ah, ok, alors, tu devrais peut-être t'en aller. Oh, moi? Moi? Que je m'en aille? Très drôle. Des fusils? Bah ouais. Ah, mais... Quoi? Il y en avait que deux. Super. Bon, aidez-moi à pousser ça. D'accord. Ouais. C'était épuisant. Ouais, pas mal. Quoi? Parce que c'est un puits. On y va? Je ris. Entrée secrète pour aller où? Y a quoi là-dessous? J'ai pas de réponse. Moyen de le savoir. Ce qui est en haut et comment bas. Tu t'attendais à quelque chose d'autre? Bah nous, pour le coup, on va s'attendre à autre chose. Pourquoi? Parce que c'est la fin de cet épisode. Alors peut-être qu'il est court, je sais, ne vous inquiétez pas, j'enchaîne direct pour faire l'épisode 7. Donc, je vous souhaite... à vous, ben, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quelle heure cette vidéo. C'était Slydrake. N'oubliez pas, avant de partir, de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. C'est la récompense pour le travail fourni. Je vous souhaite tout le même bonheur et ciao tout le monde.